Nouvelle vidéo sur Blues Brothers Gaming, toujours accompagné d'Azekiel, on brode toujours. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un petit peu Guns, Gore and Cannoli. Et ouais, totale découverte, hein, on l'a jamais fait. Exactement. Contrairement à Broforce. Toujours en 2D aussi, hein. C'est ça qui est pas mal. On a vu quelques trailers, un ou deux trailers, mais vraiment rien de plus, quoi. Manette en main, c'est 100% découverte. On se lance ? Eh ben on y va. Mode de difficulté, normal pour débuter ? Normal, difficile ? Bon allez. Normal, c'est peut-être mieux. Allez, rejoindre. Eh bien, je serai le 1. Ça changera. On peut changer ton personnage. Ouais, possibilité de choisir le perso. Oh, j'ai vu une infirmière. C'est avec quelle touche ? Ah ouais, c'est avec l'infirmière, ouais. Ouais. En même temps, c'est marqué ! Je suis une infirmière cochonne. Donc tu choisis quoi, toi, du coup ? Ah, l'infirmière cochonne. Ah, je vais choisir celui-ci avec le chapeau blanc, il m'a l'air pas mal. Bon, allez. Let's go ! C'est parti ! 3, 2, 1 ! Cinématique, pas cinématique ? Certainement cinématique. Bon, on va la laisser. The 1981 was the Prohibition years. Violent gangs were gaining more and more power by the trade of illegal alcohol. It was a tough time for the average Joe, but not for me. My name is Vinnie Canova, and I make an honest living as an enforcer for the mob. But it ain't all fun and games, of course. One time I got a call from a mob boss called Mr. Bellucci. He needed me to come to Bugtown and find some guy named Frank. Thugtown. There was something wrong with this city. Strange reports had been coming in about bizarre incidents and gruesome murder cases. Violent rioters had overrun entire areas inside the city. They see the officials had lost all control. It's been days now since the last conflict. But nevertheless, I had a job to do. So here I was, about to step in a freaking nightmare. Comme prévu, c'est super beau. Hein. Mmh. Ouais, cinématique est vraiment très belle. C'est univers, univers dessin animé. Les zombies. Pas mal. Alors se déplacer, joystick gauche classique. Avec rond, j'ai un coup de pied. R2 pour tirer. R1 pour recharger. Ok. Et c'est à peu près tout apparemment. Ah bah, on va essayer d'avancer un petit peu, c'est parti. Petit tuto classique. Ah, c'est vraiment super bien fait quoi. Bon, je commence pas. Armée limitée, mais quelque chose me dit que ça va pas durer rien. Je pense qu'on débloquera certainement d'autres armes. Recharger. Ok. C'est fait rusher. Un coup de pied, boum. Boum. Coup de pied.
Oh oui. Ça tire longue distance. C'était tout ou autre chose? Ouais. Est-ce que ça explose cette merde? Je sais pas, essaye quand je serai éloigné. Ça aurait été marrant. Ok. On progresse, on progresse. Oh, on a récupéré des grenades apparemment. Avec deux, dans une grenade. Ça va chier. Oh oui, magnifique. Et même les explosions sont plutôt bien faites. Est-ce que c'est dangereux ça? Ouais. Ah bah voilà, quelqu'un. Tu as fait quelle touche ça? C'est avec moi. Ok. Ah, c'est headshot sur headshot là. En même temps, l'arme est au niveau, de la tête. J'ai récupéré quelque chose. Oh, laisse le descendre. Oh, je vais shooter. Oh merde, c'est quoi ? Une devant, une derrière. Ah, c'est ça qu'on vient de ramasser. Comment t'as fait pour changer d'arme ? Bonne question. Ah, c'est carré. Ok. Ok, carré. Bon, allez, on poursuit. Vas-y, à pompe, c'est quelque chose. Oh. Grenade. Oh merde. Explosion de sang à l'écran. Ah, c'est pas mal, hein, il y a des animations. J'ai cru que tu étais passé avec, par contre. Ah, les checkpoints, c'est des feux tricolores, enfin bicolores. Il y a un ralentissement, je crois. C'est le deuxième ralentissement. Là. Oh, il est arrivé. Boum. Un fusil à pompe, c'est pratique, mais pas forcément, c'est plus long pour recharger. C'est pas très long pour des coups. Mais on peut monter. Ouais, je ne sais pas, il y a deux passages en fait. Un en bas et un en haut. Alors est-ce que. Bon, est-ce qu'on peut aller voir ça en haut On s'en met un. Ouais. Oh oui! Oh lolo! T'as pas vu tes films? Ça n'a pas l'air évident, hein! On les voit pas vraiment arriver, lui, donc. Oh! C'est magnifique, c'est beau! Oh, ouais, on sait pas là, hein, peut-être que. Bah, y'avait rien en fait. Bah, c'est bizarre ça. C'était juste un spoon. Hop! Ah, c'est pas mal en tout cas, moi je trouve ça. C'est super original. Première minute me pose assez. Ouais, c'est vraiment très beau, ça va être. Il y a un truc en haut, les caisses. Ça change, quoi, surtout, ça change. Ouais. J'ai pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu. Ouais, rien d'autre. Non, à gauche, non. Ça rend la 2D plaisante, quoi. C'est pas... Ça fait pas forcément vieux jeu, quoi. Ouais. Des zombies en haut. Merde, c'est pas Star Block. Mais... Ah oui. On a récupéré une Tommy Gun. Comment si on peut courir? Ouais, bien joué le grenade. Quel gâchis. Attends, on va savoir si le baril explose. Apparemment, oh oui. Il était pas là pour rien, c'est sûr. Bon, je pense pas qu'on puisse courir dans ce genre de jeu, sinon c'est un peu trop lourd. Ouais. C'est trop bien là. On va continuer. Ah, pas mal. Il y a du mal. Quelque chose aussi, je pense. Vas-y. Ça va les coups d'essayer. Oulala. Vas-y, on voulait sur eux. Ah, j'avais une frappe en fait, c'est pas vu du tout. Ah, merde. Boum, oh, l'explosion. Bon, tu t'en es sorti? Bah, ben, ouais, j'ai été ramené au milieu de l'écran en fait. Ok, là, on est bien. On s'est bien rechargé. Oh putain, et lui, il arrive vraiment trop vite quoi. Pour aller éviter, putain, c'est incroyable. Et il a une portée en fait, j'ai vu, il s'arrête au bout d'un moment de courir. Il s'essouffle. Ici, il y a carrément un ennemi qui arrive.
hors visu. Par contre, je pense qu'il va falloir faire quelque chose. Je pense que le niveau de se terminer ici, mais je pense qu'il faut peut-être taper la même nouvelle. Et on va crever. Il y avait une animation avec un autre levier qui était apparu sur une place. Je vais crever. Ah bah tiens, les zombies te bouffer, tu peux pas baisser pour esquiver les tirs. Oh, bah faut trouver ce qu'il faut faire. Sinon, on est dans la merde. Exact. Eh bah voilà. Je peux pas être animé. Non. Mon cher Ezekiel, tu vas devoir terminer tout seul. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Vas-y, tu peux revenir. Ah bah voilà. Là maintenant on peut partir. Ouais, mais tu peux revenir de toute façon. Tu peux revenir. Bon, je me barre sans toi. Mais tu peux revenir. Ah, oui, oui. À la grosse force. Hein. Ceux qui ont vu la première vidéo. Voilà. Par contre, les chargements sont un petit peu longs. Ouais, c'est long, c'est long. Il y a des jeux 3D en monde ouvert qui sont plus courts en temps de chargement. C'est un petit peu exagéré, je trouve. On est à ce qu'il fait du poker. Ok. Poursuivons. Bon, bon. On va laisser venir en barrique. Petite musique du resto italien, on dirait. C'est... années 70, un petit peu. Moi j'aime bien. Ouais, mais la vénère. Ouais, ouais. Hop. Ok. Jouer de la grenade. Oh, oh. Oh non, ça c'est dommage. Là, c'est... Ah là, c'est mieux. C'est juste une animation. Non. Donkey Kong. Qu'est-ce qui nous fait le majordome? Alors, je sais pas. Oh oui, ça explose. Ok, ok. Tout à coup de pied. Tout camp. Voilà. Un pec. Ouf. C'est cool. Elle a un magnum. Oh, c'est trop bien. Découverte du siècle. Il y a pas mal d'actions quand même. Oh là, pour l'instant c'est pas bien. Bon, c'est des vagues d'ennemis, quoi. Pour l'instant ça n'a rien d'extraordinaire. Mais... des temps de rechargement, par contre. Ouais. J'espère que c'est améliorable ce temps de rechargement des armes. Bon, après, c'est à nous aussi de penser à recharger. Je pense que ça recharge plus vite quand tu fais manuellement, en fait. C'est beau ça. Oh. Ouais, impeccable ça. On commence à trouver le truc, hein. Et là, cocktail Molotov. Eh ben voilà, en voilà de nouveau. Oh. Oh là là, quel gland. Merde, j'ai lancé du nouveau côté, mais c'est bon. Oh. Oh, cette animation quand les mecs brûlent, quoi. C'est jouissif. Oui. C'est bon, c'est ton cerveau qu'on vient de rebondir. Je ne sais pas.
Il y a une boule rase étrange. Mais il nage. Au checkpoint, on récupère de la vie, donc. Je crois qu'on récupère la santé, hein. Il me semble qu'on était... Je pense qu'on peut descendre. Je pense qu'on doit descendre. Voilà, une bonne grenade. Excellent. Pour dégager le passage. Du coup, on va me faire chier ce tonneau. Mon tonneau. C'est ça qu'on veut. Oh, je me suis fait griller. C'est toi qui me donnes chaud, mon salope. Oh, tu es... Ah, putain. Ah lui, il n'y a jamais moyen de l'esquiver, c'est incroyable. Il débarque tout seul, putain, en fait, ouais. Oh, tu es beau. Bravo, bravo. Est-ce que je peux... Ouais, je peux passer. Ah non. Bah attends. Fous-moi la paix, toi. Peut-être que j'ai un short au ras du cul que je suis une fille facile. Tiens, il te trappe. Hop. Ah merde, les grenades, elles restent pas sur les escaliers en fait. C'est dommage. Le dégage. Bon, ça progresse, hein, pour l'instant, tranquillement. C'est trop fort, une tête, c'est magnifique. Les niveaux ont l'air quand même assez bons. Apparemment, on est toujours dans le... En prologue, on va dire. Ça promet pour les niveaux suivants. Boum. J'ai pas envie de descendre, mais... Ouais, qui est fait. Je pense qu'on a pas le choix. Ah, si on avait le choix. C'était pas le bon, celui-là. Essayez d'aller vers la droite, peut-être. Ah, t'as l'air sans feu. Ah non, mais c'était par là, en fait. Je suis pas un X-Men, donc... Ouais, c'est bon. Tout va bien. Erreur de parcours. Oh, il m'a bouffé, mais bon, j'ai une grenade. Oh, t'aurais bien fait. Ouais, ouais. Oh putain, tu m'étonnes. Oh putain, j'ai connu le gros pub derrière. Boum. Ce tir. Voilà. Stop, voilà. Du gruyère. Les ennemis sont arrêtés par les vols, quoi. Ils sont venus sur place. Joue flingue, merde. Brûlé. Il y a du peuple, hein. Pour l'instant, ça passe. Mais je sais pas du coup si on a... J'ai vu marquer réapparition 1 quand je suis réapparu. Je ne sais pas s'il comptabilise les réapparitions ou si on a un nombre limité, en fait. Ah oui, voilà. Oh oui. C'est beau. Ouf. Okay. Oh oui. Oh là là. On peut bien regarder. C'est qu'elle a un fort caractère, celle-là. Merde. Quel gland. Oh. Nous devons. Voilà. Super, ça. Un peu merdé quand même, je pris deux tonneaux en pleine tête. Il me reste plus beaucoup de vie, un petit checkpoint, ça serait sympa. On en est là, il n'y a pas encore ça. Oh. Enfin, on y va un peu. Oh, c'est lancé une grenade pourrie. Ah, celui-là il est mieux. Boum. Ah, cinématique. Comme par hasard, la Saint-Patrick. Yeah, you picked a hell of a time to pay us a visit, I can tell you that. Yeah, well, I ain't here for the architecture. My name's Vinnie Canolo, and I'm looking for a guy called Frank Peter Bob. Perhaps you buy it. Oh, yeah. Frank. Always in trouble. What are you looking for him? I gotta find him and take him straight to the big boss of the Baluccios. The Baluccios?
You're on the wrong side of town, pal. Their turf is on the north side of the river. Cut Studville in half. Well, my advice is get the hell out while you still have a pair of legs to do so. Can't do that. They pay me a lot of dough to get it there without so much as a scrap. So I guess he's got to be pretty important to them. And that makes him important to me. So can you get me to him or not? I think I know where he is. It's too dangerous out here to talk now. Meet me at the pawn shop at the end of the harbor. It ain't far from me. I'll talk there. Eh bien voilà. Encore un long temps de chargement. On va en profiter pour couper là-dessus, je pense. Ouais, je crois qu'on va couper là, c'est très bien. On vient de descendre du bateau, au moins comme ça c'est clair. Et on pourra aborder une deuxième vidéo de gameplay dans la prochaine vidéo. On vous dit merci d'avoir regardé. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !